Le 17 juillet 2021, Julia Vignali et son compagnon Camera ont foulé ensemble les marches du Palais des Festivals pour cette 74e édition du Festival de Cannes. Pour la diffusion du film Os 117, Alerte Rouge en Afrique Noire. Camera et Julia Vignali avaient choisi les tout derniers jours du Festival de Cannes pour fouler le tapis rouge. Le couple a assisté à la cérémonie de clôture, vêtus de leurs plus beaux habits. Pour la diffusion du film Os 117, Alerte Rouge en Afrique Noire. L'animatrice du meilleur pâtissier, M6, portait une longue robe de la maison Le Noir, qui avait déjà habillé Elodie Frégé sur la croisette. Julia Vignali accordait sa confiance au bijoutier Pomelato avec de jolies boucles d'oreilles en goutte d'eau. Taillée, couleurs vives et large sourire, la présentatrice rayonnait au bras de son compagnon classe égale à HRL Camera. Au micro de Canal et de Laurie Colloy, l'acteur s'est réjoui de pouvoir représenter le film après une édition annulée l'année dernière. Il en a également profité pour en dire un peu plus sur son film bientôt sorti en salle. Un triomphe, réalisé par Emmanuel Courcol et présent dans la sélection officielle du Festival de Cannes 2020. C'est une histoire vraie, un vrai beau film avec de très très beaux acteurs, une belle distribution. Point. C'est l'histoire de plein de détenus qui vont, grâce à un acteur un peu connu, monter une pièce de théâtre en prison et leur permettre de sortir de prison, jouer aux théâtres alentours et de rencontrer un grand succès avec En attendant Godot de Samuel Beckett. A-t-il confié depuis le parvis du Palais des Festivals. Cette année, le jury du Festival de Cannes présidé par Spike Lee a récompensé la réalisatrice française Julia Ducournau pour son incroyable film de genre Titane. Retrouvez ici le palmarès complet de cette édition 2021. Grand Prix, Un héros, d'Asghar Farhadi, ex-aequo avec compartiment numéro 6, de Juhoku Osmanan et prix du scénario, Ryuzu Kamaguchi et Takamazawa. Pour Drive My Car et prix de la mise en scène, Lo Carax, pour Annette et prix d'interprétation masculine, Caleb Landry Jones. Pour Nitra Mère prix d'interprétation féminine, Renate Reims. Pour Julie, en 12 chapitres, R prix du jury, le genou d'aide. De Nadav Lapide, ex-aequo avec Memoria, d'Apichat Pongo et Razotaculaire Palme d'Or d'honneur, Marco Bellocchio et Palme d'Or du court-métrage, Tous les corbeaux du monde. Tanguy et Caméra d'Or, Murina, d'Antonota Alamakusi Janovic.